sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici des traces de sang. Ce qui vous a donné une couronne, je vais essayer de la prendre. Non, non, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je préfère mourir tout de suite. Je pourrais la retirer facilement, l'eau n'est pas très profonde. Je n'en veux plus, si vous l'arrêtez, je vais vous en placer. Je la laisserai là. On pourrait la
sans peine cependant, elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Qui êtes-vous? Je suis le prince Colomb. Comme les autres. Pourquoi êtes-vous venu ici? Je n'en sais rien moi-même. Je chassais dans la forêt. Je poursuivais un sanglier. Je me suis trompé de chemin. Vous avez l'air très jeune. Quel âge avez-vous? Avec moi. Non, non. Je reste ici. Vous ne pouvez pas rester ici toute seule. Vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Vous ne pouvez pas rester ici, Mélisande. Venez avec moi. J'en ai peur toute seule. On ne sait pas ce qu'il y a ici. Toute la nuit, toute seule. Ce n'est pas possible. Mélisande, venez, donnez-moi la main. Oh, ne me touchez pas. Ne criez pas. Je ne vous toucherai plus. Avec moi, je ne sais pas.
t'avais toujours suivi, mes conseils jusqu'ici.
soleil. Je viens souvent m'asseoir ici vers midi, lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres. Comme l'hiver, c'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle ne ouvre plus les yeux des aveugles. Depuis que le roi est presque aveugle. Silence extraordinaire. Entendre dormir l'eau. Voulez-vous vous asseoir au bord du Marseille de Marne? Il y a un tiers où le soleil n'entre jamais. Je vais me coucher sur le bord. Je voudrais voir le fond de jamais vu, elle est peut-être aussi profonde que la mer. Si quelque chose est plus profond, on l'aurait peut-être. Ne vous couchez pas ici. Je voudrais toucher le bord. Prenez garde de glisser. Je vais vous tenir par la main. Non, non, non. Je voudrais y plonger les dents. Peut-être bien nous en retrouverons une autre.
trop contre. Ministre de ton moment, la nuit est tombée. Qu'avons-nous des racolons s'il demande où il est? La vérité, la vérité. S'est emporté tout à coup sans raison. A-t-il vu quelque chose d'extraordinaire? Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un âge. Je crois
Pourquoi pleures-tu tout à coup? Tu es malade. Qu'as-tu donc? Qu'as-tu donc, Mélisande? Ne sais pas. Je suis paralysée. La prière vous le dit, j'en prie, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Qu'est-il donc arrivé? Thank you.
cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande? Ce n'est donc cela, tu pleures de ne pas voir le ciel. Voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis, tu n'es-tu pas là? Tu vas voir le ciel déjà. Et puis, l'année prochaine. Voyons, donne-moi ta main. Petite main que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? Oui, la bague de nos noces, où est-elle? Je crois qu'elle est tombée. Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue? Yes.
reste de la nuit. Il n'y a pas d'étoile de ce côté. Attendons que la lune ait déchiré ce grand nuage. Elle éclairera toute la grotte et alors nous pourrons entrer sans danger. Il y a des endroits dangereux, le sentier très étroit, entre deux lacs dont on n'a pas encore trouvé le fond. Je n'ai pas songé à porter une torche ou une lanterne, mais je pense que la clarté du ciel me suffira. Vous n'avez jamais pénétré dans cette grotte? Entrons-y. Il faut pouvoir décrire l'endroit où vous avez perdu la bague. S'il vous interroge, elle est très grande et très belle. Elle est petite lumière, on dirait que la voix découverte d'étoiles dans le ciel. Donnez-moi la main, ne tremblez pas ainsi. Il n'y a pas de danger, nous arrêterons au moment où nous n'apercevrons plus la clarté de la mer. Et sous le bruit de la grotte qui vous effraie, entendez-vous la mer derrière nous? Elle ne semble pas heureuse cette nuit. Voici la clarté. Thank you.
m'avait de la lumière. Cette nuit, mais sur moi, laisse-moi.
pas couché dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Élisande, ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu vas tomber. Vous ne savez pas qu'il est tard. Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants? Quels enfants?
avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si, une fois dans le temps, mais il y a longtemps. Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. Penchez-vous, n'ayez pas peur, je vous tiendrai. Donnez-moi. Non, non, à la main. Elle pourrait glisser. Voyez-vous le gouffre, Hélias, Hélias ! Je crois le fond du gouffre. Est-ce la lumière qui tremble ainsi, vous ? Oui, c'est la lanterne. Voyez, je l'agitais pour éclairer les parois. J'ai tout vu ici, sortons. S'est passé et ce qui s'est dit hier au soir. Je le sais bien.
cela se répète. Allons nous asseoir ici, Ignold, viens sur mes genoux. Nous verrons d'ici ce qui se passe dans la forêt. Je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi. Tu es toujours chez petite mère. Nous sommes tout juste assis sous les fenêtres de petite mère. Elle fait peut-être sa prière du soir en ce moment. Mais dis-moi, Ignold, elle est souvent avec ton oncle Pélias, n'est-ce pas? Avec une lanterne dans le jardin. Mais on m'a dit qu'il ne s'aimait pas. Il paraît qu'il se querelle souvent. Non, est-ce vrai? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Ah, mais à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Comment? À propos de la porte? Qu'est-ce que tu racontes là? Parce qu'elle ne peut pas être.
porte ouverte. Voyons pourquoi se querelle-t-il. Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. Je ne te parle pas de la lumière, je te parle de la porte. Ne mets pas ainsi la main dans la bouche. Voyons. Pleures-tu maintenant? Est-il arrivé? Oh, oh, petit père, papa me fait mal. Je te fais mal. Où t'ai-je fait mal? C'est sans le vouloir. Ici, ici, à mon petit bras. C'est sans le vouloir. Voyons, ne pleure plus. Je te donnerai quelque chose de mal. Petit père, un canoë et des flèches. Et dis-moi ce que tu sais de la porte. De grandes flèches. Oui, de très grandes flèches. Et pourquoi ne veulent-ils pas que la porte soit ouverte? Voyons, réponds-moi à la fin. Non, non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer. Je ne suis pas fâché. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Il y a si petite mère. Oui, de quoi parle-t-il? De moi, toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je serai très grand. Oh, misère de Marie. Cherche son trésor au fond de l'océan. Je suis ici comme un volé perdu dans la forêt. Oh! Voyons, ignorante, j'étais distrait. Nous allons causer sérieusement. Oui, oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Non, petit père, ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. À quoi vois-tu qu'ils ont peur? Ils pleurent toujours dans l'obscurité. Ah!
bonheur soit si grand. Ne fais pas le moindre bruit, petite mère aurait terriblement peur. La vois-tu? Est-elle dans la chambre? Oui. Oh, il fait clair. Elle est seule. Oui. Regarde, regarde, Ignold. J'ai trébuché. Parle plus bas, que font-ils? Ils ne font rien, petit père. Sont-ils prêts l'un de l'autre? Est-ce qu'ils parlent? Non, petit père, ils ne parlent pas. Et que font-ils? Ils regardent la rivière. Tous les deux? Oui, petit père. Ils ne disent rien. Ce soir, te verrai-je? Oui! Je sors de la chambre de mon père. Il va mieux. Le médecin nous a dit qu'il était sauvé. Il m'a reconnu. Il m'a pris la main et il m'a dit de cet air étrange qu'il a depuis qu'il est malade. Pelléas, tiens, je ne l'avais jamais remarqué, mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager, il faut voyager. C'est étrange, je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait pleurer de joie. On n'est pas aperçu, toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher. Écoute, j'entends parler derrière cette porte. Vite, vite, réponds vite, où te verrai-je? Où veux-tu? Dans le parc près de la fontaine des aveugles. Veux-tu, viendras-tu? Ce sera le dernier soir. Je vais voyager comme mon père l'a dit. Tu ne me verras plus. Ne dis pas cela, Pélias. Je te verrai toujours. Je te regarderai toujours.
fatto? Si parla. Thank you.
Ainsi votre main à la gorge. Je dis une chose très simple. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Si j'avais une arrière-pensée, pourquoi ne la dirais-je pas? Suivre à cheval.
Parce que c'est du sage, simple
cette pierre est lourde. Il est tard, elle ne vient pas.
que je la regarde bien cette fois-ci, il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moment qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue.
jusqu'ici. On dirait qu'il a plus sur cela si franchement comme un ange qu'on est dérange. Je ne puis pas le croire, Élisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne m'as pas un peu pour me faire sourire. Thank you.
qu'il gagne derrière nous. Je ne vois personne. J'ai entendu des bruits. J'entends que ton cœur dans l'obscurité. J'ai entendu craquer les feuilles mortes. Il me semble que nous
malgré nous, à la chambre, ce n'est pas possible.
cœur il s'anira. Il est très malheureux. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Gomo. Voici, je te
qu'y a-t-il? Qu'est-ce que toutes ces femmes viennent faire ici? Ce sont les servantes, qui est-ce qui les a appelées? Ce n'est pas moi. Que venez-vous faire ici? Personne ne vous a demandé. Que venez-vous faire ici? Mais que c'est que ces dons? Répondez! Sûr.
vite, si vite. Elle s'en va sans rien dire. Pas ici, Lolo, il lui faut le silence maintenant. Venez, venez. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille. Si timide, si silencieux.